Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, cette fois-ci pour un jeu de société, donc le Trône de Fer, la Main du Roi. Donc c'est un jeu de cartes collecte pour 2 à 4 personnes. D'après ce que j'ai entendu, vaut mieux être entre 3 et 4 pour y jouer. Donc c'est réalisé par Bruno Catelac. Donc voilà, c'est une petite boîte avec des dessins un peu particuliers, comme vous pouvez le constater, hein. Le jeu a un graphisme assez particulier, mais ça a l'air plus ou moins sympathique. Donc, dans cette petite boîte, qu'avons-nous? On va garder ça pour repère en haut à droite. Donc, on va avoir des cartes un peu plus grosses. Petite explication du coup, le but du jeu, la mise en place, hein, le déroulement du jeu, les variantes et le matériel. Donc comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a au niveau du matériel. Hop. De toute façon, je rassure vous, on va tout sortir. Donc, on a des espèces de petits jetons, une petite bannière aux couleurs des différentes maisons de Westeros. Donc, on va avoir les Baratheon. Je vous montre un peu plus près quand même. Hop. Les Baratheon, donc c'est pas les bannières officielles. Hein. Les Greyjoy, les Lannister, alors putain de Dion, les Stark et les Gris, la Rose des Tyrell. Le poisson des Tully, alors je sais jamais quel poisson c'est. Et le dragon des. Putain, Targaryen. Je vais y arriver. Et après, on a quatre petits jetons. Corneille à trois yeux. Elle a vraiment trois yeux. Je sais pas si c'est suffisamment lisible, mais. Pour se débarrasser. Donc on a un petit sachet avec des cartes dans lesquelles on va trouver Odor. Donc ça va être des cartes qui vont avoir des capacités un peu spéciales. Donc là par exemple avec Odor, parrainer Bran Stark de Port-Réal de n'importe quelle zone de jeu. Sandor Clegane. Jon Snow. Putain la vache, il a une drôle de tronche. Voilà. Petyr Baelish, Mélissandre, les deux L à Mélissandre. Putain. Je l'ai toujours écrit avec un L, moi. Oups. Brienne de Torf, Bronn, Eileen Payne, Ramsay Snow, la vache, la tronche qu'ils lui ont faite. Jaqen N'Ghar, ah, ok. Khal Drogo, Shae, wow, boobs, Loras Tyrell et Jandai. Ok. Et ensuite donc on a les grosses tuiles du jeu. Top. Ils auraient mieux fait d'inverser, de mettre les tuiles dans le gros et le. C'est pas grave. Donc on a Asha Greyjoy, Roderick Greyjoy, Balon Greyjoy, Victarion Greyjoy et Fionn. Ah, Fionn et Euron. Et Aeron, ça en fait des Greyjoy. Ça en fait des crevures. C'est pas les pires, mais... Donc on a Stannis, on a Robert, Renly forcément, Shireen. Et c'est tout pour les Baratheon. Wow, 4. En même temps, c'est vrai que qu'ils auraient pu mettre beaucoup plus. Hein.
Tywin, Geoffrey, Jaime, Tyrion. Putain, c'est tous les blonds, hein. Cersei, Kevan. Donc ils sont vraiment blonds, hein, là. C'est la blondeur la plus totale, hein. Pour ce putain de Lannister, ces crevards de premier. Eddard Stark, Bran Stark, Arya Stark, Catelyn Stark, Rickon Stark, Robb Stark, Sansa Stark, Lyanna Stark. Putain, ils ont même fait une carte pour Lyanna, quoi. Sérieusement? Eh, mais je viens de rendre compte que il y avait 6 Lannister et 7 Greyjoy. La vache. Bon, il y a 8 Stark, hein, mais bon. Des Tyrell, il y en a que 3, ça va encore. Hein. Olenna, Garland, Margaery. Ils ont. Ouais, non, en fait. Ouais. Ouais, non. Ils auraient pu mettre Loras, mais du coup, ils l'ont mis en petite carte. C'est comme Jon Snow, ils auraient pu le mettre en Stark, mais ils auraient pu le mettre en Targaryen aussi. Donc, on a le jeton Varys aussi, c'est celui qui va servir à se déplacer dans la partie. Donc, lui, il est tout seul. Et ensuite, donc, on va avoir les Tully avec Auster, Edmure, et c'est tout. En même temps, Tully, c'est pas comme si c'était une maison vraiment importante. Et ensuite, donc, les Targaryens avec Viserys, Rhaegar, Aerys, Daenerys et Aegon Ier. N'empêche, Rhaegar, il fait très Elric de Melanie Bonnet. Avec ses cheveux blancs là et ses yeux rouges. Il fait très l'albinos. Voilà. Donc, je sais même plus, je crois que j'avais lu, enfin, on peut regarder un peu comment se déroule le jeu. On va pas faire qu'un unboxing parce que je trouve ça débile. On mélange les 35 cartes. Il faudra faire une grille de 6. Donc en gros, c'est simple, on prend ces cartes-là. Ça va être encore super bien mélangé. C'est pas grave, hein. De toute façon, au début, en général. En général, un jeu, quand on commence, c'est rarement très bien mélangé. 35, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc Varys ne compte pas. C'est parfait. Ouais, non, je sais pas. Avec la carte Varys, a priori, il faut la mettre dans le lot quand même. Donc oui, j'avais pas vu, je vous avais pas montré, mais au dos vous avez une main du roi forcément. Et ici vous avez une, ça fait un peu vieux livre avec une ou enveloppe, un rouleau avec le sceau dessus. Tchop. Alors ça on va les bouger. Ça on va les bouger aussi. Il faudrait sans doute qu'on mélange les cartes compagnons aussi. Donc, je prends ça parce que du coup, je connais absolument pas. Mélanger les 35 cartes personnages avec les cartes Varys, puis placer chaque carte face visible au centre de la table afin de constituer une grille.
De 6 x 6. Ah oui, donc oui, il y a les 36 cartes, d'accord. Donc on va essayer de voir, mais je suis pas sûr que les 36 seront. Donc Sansa Stark, Tyrion, Tywin Lannister, Aisha Greyjoy, Arya Stark, Roderick Greyjoy et Tywin Lannister. Aerys Targaryen, pourquoi je disais? Je sais pas du tout. Margaery Tyrell, Victarion Greyjoy, Euron Greyjoy, Fionn Greyjoy. Il y a beaucoup de Greyjoy dans un coin là. Ça se voit que c'est mal mélangé, hein. Mais c'est normal. Donc là-bas c'était Bran Stark, hein. Et en dessous vous avez Eddard Stark. Donc là vous avez déjà trois Stark. Comme ça c'est fait. Ouais, donc ça rentrera jamais tout sur la table. Olenna Tyrell, Catelyn Stark. Bon, au moins les Tully sont pas l'un à côté de l'autre, c'est déjà ça. Aegon premier, Kevan. Alors même si on resserre les rangs, je suis pas sûr que j'arrive à tout vous faire tenir sur la même. On va la mettre là-bas, Cersei Lannister, Joffrey, Baratheon. Tiens, oui, c'est vrai, c'est Baratheon, son nom de famille, mais il est dans les armes normales, après tout. Baron Greyjoy. Garland Tyrell. Robert Baratheon. Et là, déjà, on arrive sur la dernière ligne, vous la voyez même pas. Donc Daenerys, on n'est même pas sur la dernière. Rhaegar, Tyrion, Renly, Jaime, Varys. Vous ne voyez même pas le pont. On va essayer de remonter un poil tout ça, histoire que vous ayez la meilleure vue possible. Alors forcément, c'est pas opti parce qu'à la base, j'avais pas prévu, mais comme ça. Bon, vous voyez déjà un peu plus. Je vais essayer de. Là, vous voyez un peu le PC qui est sur le côté. Voilà, comme ça, vous verrez aussi un peu le haut de la dernière ligne. Donc, Rickon Stark, Aeron Greyjoy, putain, les Baratheon, là, ça va être. Robb, Lyanna Stark et Viserys Targaryen. Putain, trois Targaryen d'un coup là. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis les cartes comme ça, hop, si j'arrive, voilà, ça vous en donne encore un peu plus. Rassembler les blasons, placer les blasons à côté de Port-Réal. Je suppose que Port-Réal, c'est le nom de la scène de jeu. Voilà, préparer les compagnons, mélanger le paquet de cartes compagnons. Puis piocher les 6 cartes du dessus du paquet et placer les faces visibles à côté du paquet. Donc là, vous avez les jetons. Hop. Donc forcément, ça va être très mal mélangé, mais bon. Le but, c'est que ça soit déjà un minimum mélangé. Donc les 6 cartes face visible sur le côté. Donc Khal Drogo, Ramsay Snow, Hodor, Shae, Gendry et Jaqen H'ghar. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, désigner le premier joueur, le joueur le plus jeune effectue le premier tour. Donc vu que je suis tout seul, eh ben je vais jouer. donc vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire, en commençant par le premier joueur. Durant son tour, le joueur déplace la carte Varys en annonçant à chaque fois la direction et une maison.
Donc, mettons, si j'avais été là, j'aurais dit vers le haut Stark, j'aurais avancé jusqu'au bout de la carte Stark, je suppose. Tac, désir récupérer dans la direction choisie. Direction annoncée indique la ligne de carte sur laquelle le joueur déplacera la maison annoncée. Un joueur peut déplacer Varys uniquement dans l'une des quatre directions cardinales, haut, bas, gauche, droite. Varys doit toujours se déplacer vers une autre carte de la grille. Et cette carte doit appartenir à la maison annoncée. Chaque carte de personnage appartient à l'une des sept maisons. Donc mettons là pour l'exemple du tour de joueur, donc au-dessus là. Donc Varys peut se déplacer de l'une des quatre cases. Donc Varys c'est ici. Donc si Varys se déplace vers le bas, il peut prendre Targaryen, Stark ou Lannister. Ok. S'il se déplace vers le haut, il peut prendre Lannister ou Tyrell. Et s'il se déplace à la gauche, il peut se prendre Stark ou Baratheon. Donc Varys ne peut se déplacer vers le bas. Nanana, ok. Varys vers la gauche, vers la maison Stark. Donc, Sophie déplace la carte Varys, juste la carte Stark la plus éloignée. Donc ici, c'est Eddard Stark. Elle prend cette carte personnage et toutes les autres cartes Stark, pardon, au-dessus de celle desquelles Varys est passé. Donc ici, Bran. Ok, d'accord. Elle place les deux autres cartes dans sa zone de jeu, les espaces Port-Réal qui se retrouvent. Se trouve, il reste vide. Pour finir, elle vérifie si elle possède un nombre de supérieur voyelle. La partie continue avec le joueur. Alors, quand un joueur prend la dernière carte personnage d'une maison de Port-Réal, il choisit. Ok, donc il faut déjà. Pour prendre les cartes personnage, il faut déjà récupérer toutes les cartes d'une maison dans Port-Réal. En l'occurrence, les petites maisons, c'est celles qu'il faut prendre en premier, sauf si vous pouvez pas. En l'occurrence, ici, des petites maisons, à part les Baratheon, c'est-à-dire que là, si on jouait et qu'on disait Baratheon, on serait là, on aurait juste cette carte-là, et après, il faudra descendre, remonter, sachant qu'il y a les autres joueurs qui jouent aussi après. Donc, c'est pas facile. Donc, juste. Et après, il y a plein de spécificités, mais voilà. Donc en gros, mettons le premier joueur, on va dire que c'est moi, on va dire que je vais faire vers le haut Stark. Donc, Varys va se déplacer. Donc là, il prend rien. Là, je prends cette carte. Je prends Bran. Et je prends Sansa, qui est la carte la plus élevée que je pouvais prendre en Stark. Donc ça me fait trois cartes Stark. Mettons, j'ai à côté de ça un autre joueur. Qui dit, bah tiens, moi je vais partir vers la droite et je vais prendre Greyjoy. Donc, il va partir sur la droite, il va prendre un chat. Et ensuite, Roderick. Et il va rester ici. Du coup, voilà. Donc lui, il aurait récupéré deux. À mon avis, c'est le genre de jeu qu'il faut être au moins 3 ou 4 pour être intéressant. Parce qu'à 2, à mon avis, ça risque d'être relativement chiant. Mais il faut voir. Hein. Après, il y a des coups. Là, mettons. Mettons le suivant décide. Sachant que nous, on a pris Stark et Greyjoy, il peut très bien décider de dire, tiens, je vais vers le bas et je prends Greyjoy. Hop. Juste pour l'empêcher de d'avoir la maison complète. Voilà. Et puis lui, il va faire après, ben, gauche, Greyjoy, il va récupérer. Hop. Voilà. Mettons qu'on joue à deux. Voilà. Donc il récupère deux autres Greyjoy. Malheureusement, il pourra pas avoir la maison complète pour aller taper un compagnon parce que j'aurais déjà pris un Greyjoy. Donc là, je le bloque là-dessus. Ensuite, ben, voilà, ainsi de suite. Hein. Moi, je vais descendre, je vais dire Stark, pop, je prends ça. Lui ici, il va dire à droite, tu lis, pop, comme ça il récupère celle-là, hop, et ainsi de suite jusqu'à ce qui est tout qui soit. Sachant que les bannières sont données, donc là en l'occurrence j'ai 4 Stark, donc théoriquement j'aurais dû récupérer la bannière Stark. Quand il n'y a plus de personnages, il me semble de la. C'est celui qui en a le plus qui prend la bannière.
Donc mettons, hein, tous les stars qui sont partis, j'en ai 6, il en, enfin j'en ai 5, il en a 4, non 3. Donc c'est moi qui prends la bannière. Les Greyjoy, ça aurait été lui, etc. etc. Donc voilà. Après, je suis pas tout à fait sûr des règles, hein, je les ai lues avec vous là, y a même pas 2 minutes. Donc, enfin, vous pouvez vérifier avec le timecode et vous allez me dire, ah non, ça fait plus de 2 minutes, non, non. Bref. Donc là-dessus, je vous laisse. C'est un petit jeu qui m'a l'air fort sympathique à 3-4 joueurs. Et avec une esthétique un peu particulière, mais qui est quand même sympathique. Voilà, et puis après tout, c'est quand même un grand nom du jeu qui a bossé dessus. Donc on pourra toujours voir ce que ça donne après à 2 joueurs. Hein, ça, moi, quand on me l'a vendu, on m'avait dit, oui, à 2 joueurs c'est sympathique, mais à 4 c'est beaucoup plus intéressant, à 3-4 c'est plus intéressant. Donc voilà. Ça va déjà un peu plus vite aussi à 3-4 en général. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous dis à ciao, à plus, on se retrouvera pour de prochaines vidéos possibles, on verra bien. Et à ciao, bonsoir.